Vous n'en avez pas, pas du tout. Vous savez que c'est une obligation quand même d'en avoir une. Ce propriétaire d'un deux roues est en infraction. Sans vignette critère, il écope d'une amende de 68 euros. Tant pis, hein, je vais chercher. Ça arrive, mais bon, moi ça me servira de leçon, la prochaine fois je l'aurai. La contravention est plus salée pour les véhicules 4 et 5, les plus polluants, 135 euros. Interdiction pour eux de circuler dans l'hypercentre de Marseille. Ils sont invités à faire demi-tour. Pour la police, le temps de la pédagogie est terminé. La situation atmosphérique est inquiétante. On est régulièrement sensibilisé sur ce problème. On n'a pas le choix. Donc les véhicules, les gens doivent se mettre dans les clous. Des contrôles qui se poursuivront ce jeudi. La préfecture maintient la circulation différenciée alors que l'épisode de pollution aux particules fines n'est pas terminé. Dès que la situation s'améliorera, on pourra lever les mesures. On prévoit que le caractère anticyclonique devrait se maintenir jusqu'à vendredi. Peut-être que ce week-end, avec le vent, ces particules pourront se disperser. Dans les Bouches-du-Rhône, environ 26 000 véhicules, motocycles et poids lourds sont équipés en vignettes critères 4 et 5 et donc concernés par les restrictions de circulation.